Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va continuer, on va affronter le Salernitana maintenant, ouais, let's go, c'est parti. Je suis en jaillet, je sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien en tout cas, pour ma part, ça va, c'est ok, tout va bien, is ok. On est en décembre. Oh, on débute le mercato. Il est chaud là. Oui, vas-y. On veut pas de toi. Ouais, du coup... Du coup... En vrai, Oman et Novak, je vais les mettre. Putain, lui, c'est une dinguerie. Hein. Oman et Novak, on va les prendre. Lombardie, ouais, on peut pas. Ok. Oman. Prêt. Oh ouais, tu pues la merde! Je pensais qu'il y avait un truc. Bah, je vais te vendre. Hein. Me suis dit, c'est un malentendu, ça peut passer, mais du coup, non. Ok. Les rapports mensuels, oui. Non. 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 Vas-y, on va voir. Bah vas-y. Hop. Le man ou Novak qu'on vend, c'est Novak. C'est ça? Plus ce que j'ai dit en fait. C'est Novak qu'on vend. Ouais. Kanté à l'OL. Il a perdu 4 points, Miskine. En même temps, t'as vu son âge. 37 ans. On a 46 points. Oh, ça va, on a de l'avance sur le deuxième. On a de l'avance, c'est ok. Sommes en retard de près pour Berg. Oui. Ah là, il y a le début du mercato hivernal, du coup t'en as plein qui se cassent. Alors, Wagner, Gabriel Depay. Eh mais lui il est trop fort, c'est grave. Je le répète hein, mais what est-ce quoi? Juste, je checkais les postes qu'il serait capable de faire. Ouais, bosser, ça lui irait bien. Hein. Ok. Prêté, prêté avec tel club, avec tel club, avec tel club. Ouais. Le maillot est à toi, mec. T'es un joueur important, mec. Je sais de quoi t'es capable, ok? Alors, la Salernitana. Moi, j'ai envie de remettre Mellini. J'ai besoin de le faire jouer.
Rousseau, De Luca. Attends, Rousseau, il a pris un point, nickel. On va mettre Juric. C'est la salaire. Là, on va mettre Giordano. On va laisser Vega et Cordoba. L'alliance des deux, c'est très bien. Mais Giordano, faut le faire plus de temps de jeu. Même s'il en a pas mal déjà. Manchuvilla, ouais, après, c'est pas mal. Hein. Est-ce que je mets un autre gardien à mes risques et périls? Ouais, attendez juste, je prends un truc. Ouais. Allez, go. Oh, il est 11h11, les heures miroir. Ah, super, c'est horrible ça. Putain, ils ont fait que ça quand j'étais en vacances, là, c'était horrible. C'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, même si c'est sous la pluie, vous le voyez. Attention donc au contrôle de balle et aux appuis. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer. Allez, on va y aller. Premier jour de l'année et dans un instant... C'est vrai que c'est le 1er janvier là. Non, c'est le 2 janvier je crois. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. 1er ou 2 janvier qu'on joue là. On s'est couché tôt hier soir. C'est parfois un peu dur après avoir fêté le nouvel an. Mais c'est pas grave, les footballeurs sont là pour nous offrir des émotions. Vamos! Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé. Allez les gars. C'est dégagé sur ce centre. Le ballon circule en attaque. Et le gardien plonge bien. Ah, le corner bien tiré, aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Oh, la bonne frappe. Let's go. Quelques minutes de jeu et déjà les filets trombent, c'est bon pour le spectacle. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. L'orienté. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain. On va aller voir ce qui se passe. Oui, il s'agit du premier but en faveur de l'Inter. Un but à zéro donc. Alors que le match a commencé il y a 10 minutes. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et il va aller provoquer dans l'axe. Bien joué. Ah non, c'était dur. Oh! Ouais. C'était dur, ouais. J'ai trop un peu lent. Non? Ouais, c'est capté sans problème par Donnarumma. Oui, pourquoi pas. Dans le dos de la défense. Ouais, bonne détente pour rassurer la défense. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Un corner qui est bien ajusté. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Et c'est capté sans problème par Strakosha. Non, j'ai loupé la. C'est une bonne intervention sur cette j'ai mal dirigé la profondeur. Parce que de base, c'était pour Cordoba, mais j'ai mal... c'est ma faute. Pas grave. Radaric. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Ah, bien joué dans la profondeur. Ouh, le super réflexe, mais finalement il y avait hors-jeu au début de l'action. Dommage. Le ballon finit dans leurs pieds. Et ça joue sur Badaric. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. À une bonne contre-attaque peut-être.
Oh, ça peut aller au but. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et aucun doute pour l'arbitre. Contrôle de la main, c'est con. Hein. Il a fait un contrôle de la main. Et c'est dedans, un pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Sur cette image, ce péno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté, c'est très bien tiré du travail des pros. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Koza. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. L'équipe locale a le contrôle du ballon. Et si tu gardes le ballon pour faire... Oh, c'est dangereux, ça, attention. Eh ouais. Voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Eh ouais. Il est intenable, insaisissable. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Problème de placement là, ouais. Intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Eh, bien donné le ballon. Et ça finit dans les bras du gardien. Mi-temps. La mi-temps qui est donc... Dommage, j'avais une belle passe pour Cordoba encore là. Mec, ils sont zéro épuisés, c'est une dinguerie. What the fuck? Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Allez, il faut lever la tête maintenant en très bonne position. Oh oui, le but, c'est trop là. Troisième pour le triplé, c'est merveilleux et c'est tellement. Let's go, Cordoba. Ok. Ok. Ok, du coup. Et contre la Roma, c'est ça, ouais.
Ouais, je vais garder la compo de base, hein. Allez. Allez, c'est mardi, c'est mardi, c'est mardi. C'est inévitable, il va être très observé. Un trip. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, la météo n'est pas terrible aujourd'hui. Et c'est plutôt parapluie, capuche et crampons en alu. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. On vous emmène tout de suite en Italie pour ce match de Serie A. Et il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Bouadou reçoit le ballon et voilà une passe à l'adversaire. Et il se défait là de l'adversaire direct. Et cette tête frôle. Aïe aïe aïe. Quasiment les trois quarts des matchs ont été joués. Quand on regarde le classement, évidemment, on voit mal ce qui pourrait les empêcher d'être ça. La difficulté maintenant, c'est d'arriver à maintenir son niveau d'application, de ne pas sombrer dans la facilité du geste. Merde. Ouais, c'est une transmission interceptée. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Le tir, bonne intervention du gardien. Le corner. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Intervention du gardien. La deuxième chance. Nouveau corner. Le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence de jeu rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides. L'équipe joue mieux. L'action se poursuit dans le camp adverse. Peut-être l'occasion de mener au score. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Le ballon pour Myron Boadou. Et le ballon est récupéré sur cette interception. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. C'est le signe de la volonté de ne pas... Ah, y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Et c'est maîtrisé sans trop de difficultés ce coup franc. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah, le ballon est contré. Pour Colombo. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Vers ses partenaires dans la surface. Ah, c'est une transmission. Et penalty. Péno. Oh, let's go. Il y a cette faute dans la surface. Let's go! Beaucoup de pénaux quand même. Et c'est dedans, un pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On revoit le plongeon. Il est magnifique. Mais il n'est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contre-pied est parfaitement bien joué sur ce pénal. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage.
Allez, la jolie passe dans la profondeur. Oh, la bonne frappe. Allez, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Milinkovic-Savic. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. La projection dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe merde. Pas plus loin, ce ballon est perdu. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la vie. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Ouais, bien joué, ça circule bien. Attention, voilà un bon duel. Oh, oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. Ouais, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et c'est signalé, position de hors-jeu. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Très bon timing sur cette interception. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. La circulation du ballon pour déstabiliser la défense. Oh, le triplé. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Je vais passer dans une tech. Je vais tester. Bonjour, je suis passé en pressing après une perte de balle. Ah, le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Boadou. Et la récupération du ballon. Un ballon récupéré. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et voilà, c'est le. Moment pour faire un changement. Bon ballon en profondeur. Ouais, dans la oh profondeur. Oui. Oh non. Parade exceptionnelle. Incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance le ballon soit détourné. Attention la frappe. Ah, le ballon est contré. Et super le réflexe du gardien. Allez là, il peut frapper. Oh, y'a quoi? Y'a encore un péno? Non, c'est grave. Je vais enlever les pénaux, c'est relou là. Non, c'est Cordoba qui le tire du coup. Ouais. Le pénalty est transformé sans trembler. Oh, laisse tomber, frère. ...5-0 contre la Roma. C'est normal ça?
Bon. Bah ok. Ouais. Bref. Oh putain. 432. OK. Mais qu'est-ce qu'il faut dans le jeu? Ouais, lui, il m'intéresse, hein. Je le mets en sporadique. Ça fait tourner. Bamba. C'est pas grave, c'est pour faire tourner. Alors si mes défenseurs sont fatigués, j'ai un match pas avec pas trop d'importance. Genre là quoi, par exemple, on va le mettre pour tester. On va mettre Minsale et Bellini. Bellini, pardon. Là, on va remettre Manchou. Deluca, on va l'enlever. Lui aussi, on va l'enlever. Les maillots. Voilà, c'est mieux comme ça. Ils sont en train de péter les stats Cordoba et Vega par contre. On va reprendre Vega d'ailleurs.
Inutile de préciser que son nom est sur toutes les lèvres. 4 buts marqués lors de son dernier match. Autant vous dire que son niveau de confiance est au plus haut. On se retrouve. Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. C'est bien. Oh oui. Et bon passo. Mais et déjà un but. Excusez-moi. Hein. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, le stade réclame une frappe et le gardien était bien vigilant. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. On va baisser la vitesse. En fait, je suis en train de jouer un peu avec la vitesse et tout. Genre paramètres de jeu là. De remettre à 30. Et le tir. Elle s'est captée sans problème par Donnarumma. Et voilà, un ballon bien intercepté pour Colombo. Oh merde, j'étais passé. Oh le con. Oh. L'arbitre. Une blague, genre. Eh oui, c'est bien défendu. Torfbet. Ah, attention, le ballon leur échappe. La projection dans le camp de l'adversaire. Il peut tenter sa chance. Voilà, Manchou. Oh, les voilà. Avec un, non, c'est long gauche, je crois. C'est Juric, pardon. Waouh. Mais je mets Juric à gauche. Oui, c'est ça. J'ai cru que c'était Longo à gauche, pardon. Torfvet. Le ballon pour Torfvet. Qu'est-ce que c'est mal donné? L'action se poursuit dans le camp adverse. Homme. Oh, et oui, le tir. Ah, le plongeon. Ok. Pour sauver ce ballon. Ah, il est bien frappé ce corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Oh, la bonne parade. La balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est? La balle était déjà rentrée. Comment il a fait? C'est un contorsionniste. Ouais, c'est pas fini, hein. Le danger n'est pas complètement écarté. Contorsionniste. Jusqu'à où? Attention à cette bonne passe. Pas assez de concentration sur cette passe. Et attention, il y a une alerte du côté de San Siro. Un but marqué, me dit-on. Oui, c'est le premier but pour Cagliari. Voilà. C'est au fond, goal. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Frère, il y a 3-0 à la 36e. Oh wesh, le triplé de Colombo.
ambiance chaude et festive pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette affiche. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Milan, installés dans les tribunes de San Siro, dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. Et à venir, le lever de rideau de cette saison de foot qui démarre. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. C'est le match le plus important des matchs pas importants. On a le droit de ne pas être au maximum, on n'a pas le droit d'être ridicule non plus. Tir contré sans difficulté. Ah, c'est Valentin. Maignan, il est parti. Il vaut combien ? Oh, il y a toujours Léo. Non, Maignan est... Ok, pardon, non, il a juste fait tourner. Ok, bah, il a eu raison. Putain, il a 92. Oh la dinguerie. Gravenberg. Ah, le ballon est perdu. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin le moment. Voilà le premier match sous ces nouvelles couleurs. Et oui, l'équipe avait besoin d'un profil capable de répéter les efforts sur le côté, de bien défendre, mais aussi capable d'attaquer quand il le faut. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Ah, le porteur est sous pression. Et ce ballon est finalement intercepté. Reculer pour ensuite exploser en contre, c'est une tactique à utiliser. Attention pour mener au score peut-être. Et c'est bien fait de la part du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Attention, c'est pas terminé. Oh merde. Ah, la perte de balle. Cacré. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, ça part très bien. Eh, ballon renvoyé, l'action continue. Eh non, au final, il n'y a pas de danger. Lisandro Martinez. Ah, le pressing pour empêcher la relance. Ballon pour retrouver la possession. Lisandro Martinez. Une bonne transversale pour déplacer le jeu. Ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Rafael Leao. Gravenberg en possession du ballon. Ah non, c'est contré. Et encore une tentative contrée. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Allez, allez, on y croit. Le corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Ballon rendu à l'adversaire. L'arbitre. Bonjour. La faute. Ah, le Cordoba. C'est bien frappé vers la surface. Pardon. Faut pas rire du malheur des gardiens. Juste son plongeon était. Fait rire. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Bah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Ça percute pas là. Rafael Leao. Le ballon vers Gravenberg. Hop, on va basculer en contre. Hein.
Et vu la gueule du match là. Bouger le bloc. Opportunité pour mener. Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. En direct de San Siro. Voilà, miaou. Juste ultra défensif, ils sont plus bas du coup. Non. Très bien défendu, sans commettre de faute. Oh oui. Ah, le ballon est contré. Et le transfert à Everton vient d'être confirmé officiellement. C'est une excellente nouvelle pour le club. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on est hors jeu, je crois, non? Non. Je croyais qu'il était hors jeu d'un pied. J'ai rien dit alors. Maxence Cacré. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. La projection dans le camp de l'adversaire. Je suis pas un dribbleur moi. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. C'est pas un dribbleur Villa. Pas bugué en face. Cacré avec le ballon. Interception réussie, ballon récupéré. Et au programme des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Serie A. L'AC Milan affrontera l'Udinese. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Le ballon. Fut le en haut là, ouais voilà. Oui, le bon... On va faire les changements. Mon corps de bas, tu sors. Vega, tu rentres. On va remettre Longo. Après c'est tout. Le changement est demandé et il a lieu. On peut recuter là. Un corner qui est bien ajusté. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ouais, j'ai rien compris là. Défendu. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Occasion avec cette... Oh mon tir t'es pas ouf. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Eh vas-y, on passe en offensif, c'est bon. Le corner bien tiré, c'est dégagé, aucun problème. Dégagé sur des comptes, c'est de la merde. Le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Et nous vous rappelons ce match à venir, ce choc. Et oui, ça c'est de l'action. Le ballon traîne, attention. Bien joué. Ah non, ça s'arrête là. Lisandro Martinez. Plus que 5 petites minutes à jouer et toujours aucun but dans cette rencontre. Excellent timing sur cette interception. Très peu de temps encore à jouer. Et le but ça va, on prolonge là du coup si on marque pas.
Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Il y a un contre possible à jouer là. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Oh oui, la frappe, c'est contré sans problème. 1 minute d'arrêt de jeu minimum. Bien parti dans le dos. Ah oui, l'intervention, bien joué le gardien. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Le corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Et l'arbitre siffle maintenant la fin des 4. Allez, on va vivre maintenant le début de cette première prolongation. Eh oui, bien joué, la bonne passe. Ah, le drapeau se lève hors jeu, c'est pas évident. Allez les gars. Le ballon vers Gravenberg. Et une passe lobée pour créer le danger. Ouais, c'est hors jeu ça, le drapeau s'est levé. Oui. Commettre de faute. Cacré. Oh, la frappe. La frappe est bien contrée. Et une occasion de contre à négocier. Non, je peux faire, c'est long. Hors jeu. Et l'équipe reprend la possession. Gravenberg en possession du ballon. Là, une frappe, le public attend ça. Oui, mais non, ça ne profite pas en fait. Il n'y a pas un joueur qui s'appelle Mathias Vega? Parce que genre... là le Vega qu'on a c'est pas ça, c'est Alexis Vega, Alexis Vega. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler Mathias. Eh non, au final y a pas de danger. Et ça y est, c'est donc là. Il y a que 5 tirs, ils en ont 11. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Attaque parfaite et on prime, le ballon est récupéré. Oui, dans la profondeur. Et le gardien qui est bien vigilant. Corner. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Dommage. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. Tir contré, sans difficulté. C'est un corner qui peut peut-être leur permettre de prendre l'avantage. C'est bien parti pour ce corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Coup de sifflet d'arbitre, coup franc. Cinq minutes à jouer encore dans cette... deuxième partie de la prolongation. Oh non. Le ballon est perdu. Non, je troll. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et on aura droit à une petite minute supplémentaire.
La défense est battue. Let's go. Enfin le premier but de ce Ça y est, la rencontre est débloquée, le match va s'ouvrir et la fin va être excitante. Plus de doute, d'hésitation, ni figue ni pamplemousse. D'Artagnan à l'attaque. Oh la vache. Par contre, là, les paroles des commentateurs, frérot, t'es au courant que... Genre là, le match, il est fini, on est à la 120ème, quoi. C'est terminé, l'arbitre... Oh la vache. ...la fin de ce match. Et voilà, un trophée supplémentaire pour eux. Ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est vrai, mais c'est quand même une belle coupe à mettre sur la cheminée. 120ème, frère. ...pour décorer leur cheminée, mais grâce à ce trophée, ils lancent leur saison de la meilleure des manières. Eh oui, c'est un trophée début. Oh la vache. Ils ont raison de s'enflammer quand même. Il faut se réchauffer le cœur. Et même en début de saison, c'est une façon d'atteindre la plénitude dans la préparation. La saison va être longue, mais commencer par la joie, c'est mieux que de commencer uniquement par de la souffrance. Le football, c'est une activité optimiste. Oh, Villa le sauveur. Oh la vache. Ah bah ouais, je suis homme du match là, tu m'étonnes. Putain. Giordano, ouais. Bah putain. Il était chaud ce match. Ils ont combien de points eux? Ouais, faut qu'on fasse de la rota par contre. Je vais changer toute la défense, tant pis. Tant pis, hein, mais. Faut que je préserve l'équipe pour la Copa. Bonsoir tout le monde, soirée très très fraîche, enneigée même, vous le voyez sur la pelouse, et ça va être des conditions de jeu difficiles. Ici est donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. On retrouve tout de suite le foot italien et la Serie A, et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, dilatez vos chakras. Ce ballon dévié par le premier rideau défensif. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah non, finalement le ballon est perdu. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleur ses coéquipes. Je vous coupe, c'est bien joué ça. Ah dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus.
Ah, le pressing est efficace là. Il y a une position de hors-jeu signalée, c'est sifflé par l'arbitre. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, l'intervention. Taylor. Ah, qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Ah, le ballon est rendu. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Attention à cette passe. Eh non, ballon bien récupéré là par la défense. On se fait manger du coup. La bonne percée, faut aller provoquer. Là, ils ont pas une très grosse équipe, hein. Ils ont une équipe ok. Après là, en joueur habituel, t'as vraiment quoi, Gonzalez, Vega. C'est tout, genre. T'as Donnarumma bien sûr, mais après les autres, c'est moins habituel, quoi, on va dire. Un peu de différentes passes. Il y a la passe de progression, la passe de contention, la passe de rupture. Et dans ce match, il n'y a que des passes de protection. C'est beaucoup trop stérile. Oui, bah on fait ce qu'on peut, ok. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Il frappe. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Petite astuce, c'est jouer court. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Oh, le ballon intéressant. Voilà. Ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et ouais. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Une minute d'arrêt de jeu. Ça y est, la première période arrive à son terme. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et c'est pour Arthur. Excellent timing sur cette interception. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Chelsea confirme donc cette arrivée dans son effectif professionnel. On a hâte de voir la suite. C'est la fin du feuilleton. Oui, la frappe. Bien joué. Et le break est fait. Les voilà avec une avance confortable maintenant. Allez, deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0.
Ouais. Ok. Est-ce que j'en fais un hein. On a 1h01 de jeu, enfin de live, enfin de vidéo. Waouh. Ah bah il en faut vendu Nicholas. Laurence Nicholas. Ouais. Je vais aller chercher un milieu de rotation d'ailleurs. Milieu gauche, milieu droit, on s'en fout tant que c'est un milieu. Ah ouais, mais dans milieu gauche, moi je veux juste. Un MC quoi. Kostic. Il a plus que 75. Contraste terminant. En fait, c'est un MG. Mais est-ce que en MC il est ok en vrai? Je regarde surtout ça. Le 76 en passe, 73 en technique, 61 en défense. Attends, je vais chercher un milieu genre de Ligue 2. On a zéro info sur eux, genre.
Eh vas-y, je vais au culot. Oh non. J'aime pas faire ça. Je pense que c'est genre un 65. Ça me bat. Ça fait la rotation, c'est ok. Pour l'année prochaine, du coup. Voilà, on va jouer Monza. Le gars va pas le faire jouer. En vrai, non, je vais faire un truc que j'avais déjà fait. Je fais genre ça. J'avais déjà fait ça et ça avait plutôt bien marché en vrai. Il y avait un manque d'équilibre, logique quoi, mais c'était ok. Viens de le faire ça. À peine je lock des Lucas, c'est good. Allez, go. Son nom est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui. Il est très en forme actuellement, la preuve. Ses 3 buts marqués lors de ses 3 derniers matchs. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Bonsoir à tous. La nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi, et Omar Da Fonseca, évidemment, c'est Louis. Et tout de suite, le coup d'envoi de ce 8e de finale très attendu. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre 2 belles équipes. On commence à sentir l'atmosphère de la haute compétition. Plus que 16 équipes en lice. Maintenant, c'est une affaire de gestion émotionnelle, des capacités à maîtriser l'enjeu. Très bon timing sur cette interception. Pour Vargas. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Oh, la frappe. Bonne intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ça joue avec McTominay. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Ça, c'est un hein super élément, évidemment, de cette équipe. Reste mon ref. Quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Mine de rien, pour lui, c'est 3 buts marqués lors des 3 derniers matchs. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Oh, l'intervention du gardien, magnifique. Hein? Mais pas corner? Ah merde.
la frappe au but. Tir contré sans difficulté. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Parade, oui, du gardien. Et c'est une frappe. Oh, la bonne parade. Hein? Ah non, rien. Un corner bien joué, bien frappé. J'ai cru qu'il y avait un logo hôpital, je suis en mode quoi? Facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oh! Ah, il est passé sur ce bon geste. Oui, c'est contré. Bonne défense. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Oui, c'est bien. Oh, fait. Dommage. Corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Ouais, la frappe, c'est ah, bah voilà, Villa. Bien joué. Jacopo là. 1-0 donc au tableau d'affichage. Bonne séquence d'attaque placée dans le camp adverse. Et oui, le tir. Et le gardien s'illustre bien. Le corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Pour Colombo. Face à face. Oh, bien joué. Dommage. Garde bien le danger. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp. Deuxième chance. Ouais. Et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position de hors-jeu. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Ah, le pressing pour empêcher la relance. C'est l'équipe visiteuse qui a la possession du ballon. Mais si on commence à analyser les passes, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de passes de défense, de protection et pas beaucoup de déséquilibre, de pénétration. Difficile d'aller marquer dans ces conditions. Et ouais, mais là justement, il faut reprendre ce ballon. Et donc on va en rester là. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Et la frappe part bien. Ah, il fallait aller chercher ce ballon, superbe! Du mouvement sur le banc avec ce changement. Meyer. Le corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Pas réussi. D'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Et attention à cette frappe! Ah là! Et oui, le but! Les voilà maintenant un peu plus à l'abri. Avec ses deux buts d'avance. Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Eh oui, c'est bien défendu. Ballon dangereux en profondeur. Et oh là là! Il est intenable, insaisissable. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Ah, il peut prendre sa chance et la bonne parade du gardien.
Non, ils font tous des bons matchs, je vais les laisser pour le moment. Mettre la fraîcheur avec ce changement. L'arbitre signale le corner. C'est bien parti pour ce corner. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Interception en pleine surface de réparation. Ah, il m'a eu. Il m'a eu. Ah, c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait. Maintenant, le transfert est acté. Et pour une somme plus que convenable, c'est une très bonne affaire. Pour Vargas. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le ballon dans la... Oh, c'est bien joué. Ouais, vraiment là. Il faut davantage de coordination, de planification collective. Est-ce que c'est Ricardo Pepi? Et ouais. Et l'autre, c'est le Romain, ouais. Ok. À grosse pression, ballon perdu. Ah. Oh non, il m'a blessé, c'est une blague. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Oui, il y a faute, bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. Je le sais, je pense. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute, sans doute, a un peu... Non, je vais le changer. Hop. Déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Je vais faire la sortie. Le ballon en touche. Pas envie que De Luca il fasse de... Il canne quoi. Ah non, ce centre ne passe pas, c'est contré. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ça joue avec McTominay. Très bonne intervention dans la surface. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Ah non, c'est contré. La frappe contrée, bonne défense. Ah, le corner bien tiré. Attention, c'est pas tout à fait terminé. En bonne position, quel jaillissement pour empêcher le tir. Bien joué. Et on en restera là donc très peu. 3-0, let's go. Continue. Let's go.
Ouais. Eh ouais. Ok. Bah stylé. On va stopper là. Lazio qui est passé face à Milan, quoi? Ok. La Juve a battu Genoa, la Fio qui est passée. Le reste, on sait pas. Ok. Ouais, il a été blessé, mais en vif, Lucas. Ouais, ça va. Lui montre son salaire. Ok. Moi je vais stopper. Info club. Napoli Giordano, ouais, tu te le mets dans le cul. Hein. Giordano, il est pour nous, hein. Il reste à nous. Hein. Qu'on voit, t'as encore là-bas les psyches. Tu mets 145 millions peut-être. Voilà, récupéré de la semaine. Ah, Rousseau. Ah, Vega. Il y a Rousseau et Vega. Et tout le monde veut recruter le Giordano, c'est une dinguerie. Vous me faites des prix de bâtard, peut-être? Bon, vas-y, moi je vais stopper là. Sur ce, moi je vous laisse. Puis voilà, salut!